l'instant battle. Ah ah. Oh la vache. Et, oui, donc vous allez faire une chanson improvisée. C'est votre défi. Ah d'accord. Tous les deux, on est fait là tout de suite, j'ai cru que c'était ta chronique moi. Sur l'instru rap que tu viens de mettre. Ouais. Eh bien vous allez devoir placer un peu à l'image du qu'est-ce qui cause que les invités font d'habitude. D'accord. Vous allez devoir placer une liste de mots d'accord. en improvisant dans votre chanson quoi. Si on pouvait avoir cette liste, ce serait pas mal. D'accord, si on pouvait avoir la liste, ouais par contre on va pas du tout. Tu vas l'avoir. Alors vas-y. Alors les mots à placer sont concombre, exorcisme, préservatif, cacatoès, rhubarbe, marteau piqueur, défibrillateur, oula, bactérie, oula, boa constructeur et Nabila. Alors moi le plus dur à caser, ça va être de placer Nabila quand même. Hein. Et donc vous allez avoir chacun votre tour les mêmes mots. D'accord. Il va falloir faire une autre histoire que l'autre quoi. Okay. Et à la fin on votera pour le meilleur qui gagnera un sublime cadeau. Et le perdant aura droit à une superbe cuillère de wasabi. J'ai l'habitude. Une bonne cuillère de wasabi. Une grosse cuillère. Yeah. C'est la famille. On va quand même vérifier qu'il passe les 10 mots, quoi. Hein. Ouais. Et on va voter. Hey. 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 Wow. MC Tony. Hey. Oh. 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 Je suis le volant, t'as vu. Marche arrière. Marche arrière. Ah, t'es pas dans le rythme. Ah, on t'a pas dit t'as qu'est-ce que secondes, t'es en fait. Beau avec ton concombre. C'est pas normal que tu le caches à l'ombre. Vas-y, viens faire de l'exorcisme. Si t'as pas envie, mets donc un préservatif. Un cacatoès, qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est mieux en rhubarbe sur ta peau. J'ai aussi un bon marteau piqueur. T'inquiète pas, je vais te faire des défibrillateurs. Et il y a aussi parfois des bactéries qui se diffusent un petit peu partout sur toi. Un boa constructeur, c'est pas normal. D'ici Nabila La chute est nue. Merde. Non, dommage, c'était tu bien parti. Donc effectivement, je confirme ce que disait Rachel il y a quelques secondes. Nabila, c'était plus dur à passer. Tu vois, Nabila, c'est dur à la passer. C'était très bien parti. Ah merde. Mais on sera le jury alors, sera par peut-être contre, plus indulgent. C'est ça. Il est passé le premier. La fin, tu t'es chié dessus. Donc du coup, tu as une chance, Jérém, de gagner. Mais voilà. On sera moins. MC Lavanas. C'est grand. Waouh. Yeah. Je le rappelle qu'on joue pour un wasabi. Wasabi, quoi. Nabila, tu t'es pas entraîné à mettre des capotes sur des concombres, ça c'est sûr. T'aimes la rhubarbe, tu t'es fait refaire au marteau piqueur. Défibrillateur, Je suis sûr que t'es pleine de bactéries. Pour te nettoyer, y'a besoin d'un exorcisme, Même un boa constructeur voudrait pas toi. Parce que t'es pas vraiment très facile à tourner autour de toi. Ouais, en plus t'as un petit cacatoès alors tout le monde a un petit chihuahua. Tu comprends rien à la vie, c'est sûr. Personne ne veut de toi, même pas le boa. Rocky Balboa. Pas mal. On applaudit quand même. Il a failli se chier dessus. Jérém Lavanas. Ah, j'ai failli me chier dessus, mais. Alors, c'est pas facile cette affaire-là. On va passer au vote. Je vais mettre mon point à Tony. Ah, la pute. Un pour Tony, 1-0. La pute. Je sais pas. La chute est nulle, mais c'était plus rythmé avec. Et c'était un peu moins bizarre que ta chanson. La pute bis. Un point pour Tony. Caro, tu votes pour qui? Oh là. Je vais mettre du suspense, je vais dire Jérém. Ouais, évidemment, c'est tout ça. Tout retombe sur moi. Tony, il va pas avoir de cadeau. Votez 1 pour Tony et votez 2 pour Jérém. Et au 0-2-98. Ouais. Et mon vote. Je te jure, ça j'ai va, Jérém, on est à égalité. On j'ai adoré son groove. J'ai adoré son texte. J'ai désiré son texte. Oh là là. Jérém. la vache. Oh là là. Ça veut dire qu'on fait quoi? On fait quoi? Alors comment ça se passe du coup, oui? Alors ça veut dire que on prend les deux, 4-5 mots et vous nous refaites une petite chanson. Avec du wasabi dans le titre. Tony prendra le cadeau, c'est pas grave, j'en ai déjà un moi. Voilà. Ah mais donc du coup j'ai gagné alors. Bah du coup j'ai gagné. Et du coup on partage. Ah on partage le cadeau, j'espère que c'est pas un autre slip parce alors, que ça c'est compliqué. Du coup, vu que vous êtes à égalité, vous mangez tous les deux du wasabi. Oui, 11h sur radio, si vous voulez nous rejoindre. On a dit deux fois moins qu'on aurait dû. C'est une spéciale anniversaire, vous êtes dans le sonnet. Comment pour manger dans un bouchon? Mais je fais comment pour manger dans un bouchon? Mais non, mais on te met dans la bouche directement le tube de wasabi. C'est une blague, tu vas en mettre à côté. Attends, j'en mets directement dans la bouche. Tu m'en mets pas à côté, je tiens mon sweat moi. Vas-y, et par contre, tu craches pas. Ouais, il s'est visé. Je mets un huissier de justice, moi qui contrôle la quantité mise dans ma bouche. Tony, je peux te faire confiance ou pas? Trembler à côté. Vas-y, mon grand, vas-y. Putain. Eh, franchement, je te respecte, mec. Vas-y. On y va, c'est parti. C'est parti, je t'envoie le son, on y va. C'est parti. T'es prêt? T'es prêt? On y va. Vas-y. Le son est envoyé là, vas-y. Ah, je peux pas. Allez.
Wasabi, gros. J'ai la bouche en feu. Ouais, j'ai besoin de rhubarbe. C'est horrible. Putain. Allez, Tony, c'est à ton tour là. Ah non, mais c'est à moi. Ah non, mais attendez. Jeff, tu lui mets une bonne rasade. Mais je pensais que lui, il faisait sa chanson et moi, je faisais la mienne après. Non, mais du coup, on gagnait et on perdait tous les deux. Ah, ça pue le voisin. Jeff, t'en mets plein. Non, mais tu vois, on a eu pas mal. Je donnais un petit détail, j'ai failli vomir. Par contre, tu vomis pas. Alors, déjà, tu me feras plaisir de retirer le préservatif. Le préservatif. C'est horrible. L'opercule. Non, mais tout arrive d'un coup en fait. Allez, te plains pas, t'es un homme. Je suis malade. Tony, je t'ai un conseil. Tout arrive d'un coup, alors il faut retenir la première. Non, mais si. Je te jure, j'ai failli vomir, il y a tout qui arrive d'un coup. Si je suis sur le point de BGR, attendez. Oh les pauvres. 11h02 sur Radio U, c'est n'importe quoi. Si tu vomis, vomis là-dedans. Faites de la place. La poubelle est là-bas, c'est bon. Allez, vas-y. Allez, parti. Sois un homme. Wasabi première. Vieux goût dans la bouche. Allez, c'est bon. Le pauvre. Il va se chier dessus. Comment ça va, Tony? Alors, Tony? Oh là là, qu'il est vilain. Ça monte là. Il garde le wasabi dans la bouche pour garder le suspense. Oh, je crois qu'il bave là. Il bave. Ah. Il bave. On monte des signes de fond. Un garçon. Non, crache pas. Ah, Tony a un problème. Ah, on a définitivement perdu Tony. Oh mon dieu, le pauvre. Il est en train de mourir. Qui meurt dans le couloir de Radio U. Qui meurt dans le couloir de Radio U. Je crois qu'il est parti gerber là. Eh, je disais, hein. C'est horrible, hein, c'est horrible. Alors, Tony? J'ai mal au bide. J'ai mal aux mains. Ah, ils en réclament apparemment. Ah, il y en a plein la bouche. Ah, c'est horrible. Franchement, c'est le wasabi. Alors, à ne pas refaire chez vous, les enfants, ça a été fait par des professionnels. Hein. C'est horrible. Comment vas-tu, Tony? Alors, par contre, tu as pas vraiment gagné parce que je crois que tu l'as recraché dans la poubelle, non? Ah, la vache. Il l'a recraché. Ah, il pleure. 11h03 Tony. Sur Radio U, je suis en mode dépression, je vous le dis franchement. Tony, je suis déçu. Un cadeau. Qu'est-ce qu'il a gagné? Oh, la bouée mini. Ah, c'est vrai. Oh, c'est mignon. Bon, par contre, t'es trop grand pour l'avoir. Cadeau, Tony. Il va falloir faire un peu de poids pour Tony, la mettre, mais. Tony, je suis quand même déçu. C'est horrible, hein. Tony, je suis déçu quand même. Tu as recraché le wasabi dans la poubelle. Bah, ouais, non, mais sur la tête des canards, sur la tête des canards, c'est horrible. On a fait exprès de t'en faire manger parce qu'on sait que t'aimes pas ça. Ça pue. Alors, le wasabi. Et surtout celui-là, c'est du wasabi de compète parce que t'as vu l'odeur du truc. Non, alors moi, juste une question. Même le tube. À 11h04, non, mais le tube a été périmé, c'est pas possible. Non. Il est blanc, il est même pas vert le truc. Non, mais après, t'as des wasabi qui sont d'une couleur jaune, jaune pâle, ça dépend. Bizarre. Mais je crois qu'il est super fort. Oh mince, on a confondu avec le tube de vaseline. Ouais, attends. Février 2008, vous foutez de ma gueule. C'est pour ça que ça pique. Bon, ça va, t'en as pas un que ah la vache. Sais. Alors, je vais donner mon ressentiment effectivement aux auditeurs, hein, puisque on est ensemble jusqu'à midi. Vous avez en fait, le wasabi, quand tu l'as dans la bouche, ça va. Mais c'est à partir du moment, si tu veux, où tu le recraches, ça te prend dans le nez direct. Ouais, moi, et effectivement, ouais, c'est terrible. Ça fait une bon, alors, c'était bon ou pas? Ah. Non, en plus, là, j'ai bu du coca, là. Je suis pas sûr que ça fasse un bon mélange. Le wasabi coca. C'est comme le manteau. Ça va cartonner, wasabi coca. Ça va cartonner, on embrasse que marre, effectivement. Au moins, t'as gagné.